Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Imprimée profondément dans les fondations de la psyché humaine se trouve le schéma culturel qui façonne notre humanité. Comme des milliards d'autres, vous avez construit votre identité sur des systèmes de croyances conventionnels, hérités de vos parents, de l'éducation, de la religion, de la science et de l'Internet. Ces croyances définissent votre perception de l'existence et votre vision du monde. Elles guident vos pensées, vos actions et vos sentiments, sans que vous ne remettiez peut-être jamais en question leur pertinence. Cependant, être ne peut être normalisé ni enseigné. C'est un acte de liberté. Pour être, il faut désapprendre. Ce n'est qu'en observant attentivement les grandes réalisations de votre vie, la famille, la réussite sociale ou professionnelle, l'argent, le pouvoir, la célébrité, le succès, que vous pourrez libérer leur emprise et découvrir leurs secrets. Sans cette démarche, vous resterez le personnage d'un film dont vous n'êtes pas l'auteur. Pour être, il faut être l'auteur de soi. Chaque séance de méditation, selon les techniques du moine de forêt qui sont enseignées dans cet ouvrage, est une exploration minutieuse de la nature de la réalité, du sens de la vie et des notions de vérité et de liberté. Elles vous permettront d'ouvrir les portes d'un monde encore inconnu, le vôtre. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. J'ai le très grand plaisir de vous présenter le livre que j'ai publié le 29 septembre 2023, le quatrième de la série Exomorphose et qui est intitulé « Le grand éveil spirituel ». Avant de vous proposer une lecture du livre, permettez-moi de me présenter. Je suis née en France le 14 juillet 1948. Je suis franco-américaine, professeure universitaire, diplômée en sciences du langage, en communication et en art graphique. Je suis humaniste, exploratrice et guide spirituel, et j'ai consacré ma vie à la quête de soi. Dès l'âge de 16 ans, je me suis lancée dans une recherche spirituelle intense, explorant diverses traditions philosophiques et religieuses. J'ai vécu en ascète et moine de forêt, parcourant le monde à la découverte des secrets de l'univers et de l'illumination. J'ai voyagé en Europe, aux États-Unis, en Inde, mais aussi en Afrique du Nord, en Amérique centrale et du Sud, ou en Asie de l'Est. J'ai été inspirée et guidée par de célèbres maîtres spirituels comme Jiddu Krishnamurti, Goenka, Nisargadatta Maharaj, Ma Anandamoy ou Vimalathakar, et je partage le fruit de mes expériences et de mes enseignements depuis plus de 60 ans. Depuis avril 2016, je suis en contact ouvert et frontal
avec un éventail de différentes lignées interstellaires, en direct, non pas en contact télépathique ou en canalisation, mais de manière concrète, à l'audio comme vous parlez à un ami au téléphone, et à l'écrit, lignées avec lesquelles j'ai eu des centaines de conversations personnelles, depuis leurs vaisseaux spatiaux ou depuis Viera d'Andromède, une gigantesque biosphère artificielle andromédienne qui ressemble à un aéroport cosmonautique qui est stationné derrière la Lune. J'ai eu également plusieurs conversations avec un jeune transfuge humite accueilli sur un vaisseau ennemi. Je participais en tant que médiatrice aux sessions du Haut Conseil d'Andromède grâce à mon mentor Zen, qui était mon traducteur et porte-parole et qui présentait en mon nom les réponses aux questions qui m'étaient posées. Le 23 décembre 2017, après 2 ans de relations extraterrestres discrètes, j'ai ouvert mes propres contacts à 40 personnes, femmes et hommes, de différentes nationalités dans des entretiens directs, personnels ou en groupe. En tant que médiatrice, j'ai pour mission de faciliter un processus neutre et bienveillant, permettant aux parties impliquées de se comprendre et d'engager un dialogue. Mon rôle, qui varie en fonction des contextes, comprend des aspects pédagogiques et relationnels. Il est fondé sur les principes de libre arbitre, d'éthique, d'autonomie, de responsabilité, d'écoute, de respect mutuel et d'attention à l'autre. Le Grand Éveil spirituel est le 4e livre de la série Exomorphose, après le livre 1, 1793, Marie-Antoinette, Transmutation cosmique, livre 2, Artificiel, livre 3, Premier contact, et les thématiques centrales de ces 4 ouvrages sont la quête de soi, l'illumination et la vie en dehors de notre planète. Cet ouvrage est une invitation à la découverte de soi et de l'illumination, composé de mon témoignage personnel, des techniques et exercices de méditation, selon les techniques du moine de forêt, et une réflexion philosophique et scientifique. Regardons d'abord la table de matière pour que vous puissiez avoir un regard d'ensemble de ce qui est proposé, et je vous lirai ensuite un extrait de mon ouvrage. Le livre s'ouvre sur une question qui m'a été posée à un très jeune âge, ma recherche de la réponse et les premiers indices qui m'ont été indiqués pour la trouver, et ensuite ma vie de moine. J'aborde ensuite la question de l'éveil, du déconditionnement, de la liberté, des choix que nous faisons, de la dualité et de la notion de vérité, puis de l'illumination et du processus que j'ai moi-même traversé. J'aborde ensuite les techniques du moine de forêt en 15 étapes, en commençant par les différents types de méditation proposés actuellement, puis la description de la création d'un espace de méditation, le circuit de marche, les postures, la méditation passive assise ou active en marchant, et les différentes explications et techniques qui sont utilisées par les moines de forêt. Page 91 sont abordés les points de focus, l'étiquetage et le palimpseste identitaire dont voici un extrait. Au cœur du mécanisme identitaire humain se trouve un véritable coffre-fort vivant à combinaison complexe. Protégé par un système de fréquences électromagnétiques,
le cerveau, les années passant et l'évolution de l'humanité aidant, ce centre névralgique, doté d'une intelligence naturelle autonome, développa des mesures de sécurité renforcées, connues uniquement par lui, et il se mit à s'auto-incrémenter à partir de données que seul son mécanisme avait choisies dans son propre fonctionnement. Le coffre est verrouillé et la combinaison est un code-clé, une longue suite de 0 et de 1 associés au monde perceptuel relié au concept d'espace et de temps. Les mécanismes ne peuvent jamais s'ouvrir en dehors d'un horaire programmé. Certains coffres ne pourront jamais s'ouvrir, et d'autres uniquement à un moment précis de la vie de la personne et après avoir retrouvé le code clé. Parmi les objets du coffre, le bien qui a le plus de valeur est bien entendu le code clé, car sans lui, personne ne peut l'ouvrir. Pour être plus efficace, le code clé a été placé dans un cache, lui aussi sécurisé à l'intérieur du coffre-fort. Puis, le coffre s'est refermé. Une fois ce processus accompli, personne ne peut plus accéder au contenu, sauf la personne détenant le code clé. Mais c'est un peu comme l'arroseur arrosé, n'est-ce pas? Car comment déverrouiller le système de fermeture du coffre scellé si la clé se trouve à l'intérieur? Page 107 sont abordées les étapes 9, les intentions, 10, les sensations et perceptions, 11, émotions et sentiments, 12, impermanence, 13, non-attachement, vacuité, 14, l'intervalle, 15, la vision tétravalente. Sont abordées ensuite la relation entre la pratique de la méditation et l'impact sur les ondes cérébrales et les fréquences, tout autant qu'au niveau de l'ADN, les trois niveaux de conscience, conscient, subconscient, supraconscient, et le résultat détaillé de la méditation en relation avec les niveaux d'éveil au niveau des ondes bêta, alpha, theta, delta, gamma, lambda et epsilon. Est ensuite abordée la question du grand tout, l'humanité en tant que superorganisme avec une symbiose physique, une symbiose mentale et la création de la matrice humaine. Ce que nous appelons matière est l'interprétation d'un ensemble d'opérations et de fonctions chimico-électrico-magnétiques qui est théorisé et divulgué par consensus scientifique. Il existe de multiples matrices. La nôtre est une infime partie circonscrite par notre système perceptuel d'un vaste système réticulaire qui s'étend à l'infini. Elle est à la fois matérielle et immatérielle. Elle est créée par les cinq sens qui restreignent à leurs propres limites et donc à celles de l'ADN la perception que nous avons de la réalité. Nous ne pouvons l'observer que sous un certain angle et selon des spectres sensoriels spécifiques à notre espèce. Un tutoriel est proposé à partir de la page 212 avec 10 exercices que vous pouvez faire vous-même, une réflexion sur la créativité, des méditations spécifiques, méditation diaphragmatique sur la vacuité, sur un son, au réveil, en mangeant, en buvant, sous la douche et une randonnée méditative. Enfin, à partir de la page 248, vous trouverez la conclusion de l'ouvrage, un chapitre sur mes guides, ma biographie d'autrice, la table des matières, la table des illustrations et une bibliographie. Je vais maintenant revenir au début du livre et vous lire l'introduction. Les pointes de mes chaussures calées contre un mur en pierre sèche, je défiais les lois de l'équilibre
en me courbant vers l'avant, au risque de dégringoler jusqu'en bas de la pente. Je m'ennuyais. J'attendais ma mère, qui m'avait contrainte à l'accompagner au monastère du Mont des Cats pour servir de prétexte à une escapade romantique avec son amant. Dès notre arrivée, je m'étais enfui et j'attendais dans le jardin. Les collines au loin étaient aussi désolées que le vide intersidéral qui me séparait de ma vie antérieure. J'étais une singulière apatride venue d'une autre planète, étrangère au monde qui l'entourait. J'ai pleinement réalisé ma différence quelques années plus tard en écoutant Françoise Dolto, psychanalyste et pédiatre, déclarer au micro de l'émission radiophonique lorsqu'un enfant paraît qu'un fœtus est une personne à part entière. Son intention, semblait-il, était de rappeler aux mères ce qu'elles avaient elles-mêmes été et qu'elles avaient oublié dans le ventre de leur mère, leur vie intra-utérine et leur conscience fœtale. Elles étaient devenues amnésiques. Moi, je me souvenais de tout. J'étais un blob sans pensée, immergé dans un monde sous-marin de pulsations et de rires étouffés, bercé par les flux de la mécanique des fluides. Le 14 juillet 1948, à 22h45, 2 mois avant la date prévue, les feux d'artifice éclatèrent et des souvenirs sonores me submergèrent par bribes. Souvenirs de Marie-Antoinette, pendant la prise de la Bastille en 1789, et des puissantes détonations de la Révolution. J'avais enregistré ces signaux dans une unique fréquence qui provoqua une montée d'adrénaline et l'impérieuse nécessité de quitter le sombre trou à rats où j'avais atterri. Le moment était venu, il fallait que j'évacue. Un vortex s'était ouvert, j'y glissais prudemment mes pieds, mais de puissantes mâchoires de fer saisirent mon crâne et m'extirpèrent dans une succion bruyante et une lumière aveuglante. Je naquis violacé et sans vie. On me ranima sans douceur et on me plaça dans une couveuse où mes organes de grande prématurée achevèrent leur croissance. Chaque nuit, des mains s'introduisaient par les hublots étroits situés de part et d'autre de ma tête, et des décennies s'écoulèrent avant que je ne découvre à qui appartenaient ces longs doigts bleus qui me manipulaient, vérifiaient mes constantes, puis enfonçaient de longues aiguilles fines dans mes talons et ma fontanelle. En moi s'infusait le délice de flotter dans l'espace, bercé par le son de Jupiter. Puis, les deux apubères qu'étaient mes parents décidèrent de se délester du lourd fardeau qui encombrait leur jeunesse insouciante en me plaçant dans la plus belle boîte à chaussures récupérée dans les décombres d'un magasin éventré. « Tiens, on te la met où ?» Eustache, mon grand-père, désigna la table d'un coup de menton en se retournant. Il aurait pu se passer de cette charge supplémentaire en cette époque marquée par la pénurie et la pauvreté, sans compter qu'il s'occupait déjà de sa femme, victime de troubles de stress post-traumatique dus aux violences des affrontements. Elle imitait les sons des rafales des mitraillettes à longueur de journée et déambulait dans la rue en ramassant tout ce qu'elle trouvait par terre. Mais quand il posa son regard sur le colis, il n'eut pas le cœur à l'abandonner. L'oraison qui marquait la fin des vêpres se mit à retentir alors qu'un ruban de brume roulait lentement vers moi. Il m'enveloppa et brusquement, la vie sembla s'arrêter. Je n'entendis plus rien, ni les oiseaux, ni les chiens, ni les activités des hommes qui préparaient la veillée.
Oh, ils sont tous partis, m'exclamai-je ravi en faisant référence aux humains. Toute l'humanité semblait avoir disparu. Il ne restait que moi, solidement campé sur la planète, au sein d'un cosmos gigantesque. Il semblait pulser comme une matière animale vivante, s'étendre et s'effondrer tout à la fois, hors de l'espace et du temps, qui s'était tout aussi subitement pétrifié dans un silence si profond et absolu que je sursautais en attendant résonner une voix d'outre-tombe. « Mais tu es pourtant l'un d'eux. » Je n'avais jamais pensé que je puisse être l'un d'eux. J'étais né ici, certes, mais pour faire partie de leur clade, il aurait fallu que je sois comme eux. Or, il n'en était rien. Je revendiquais ma différence. Ma mémoire était intacte, mes souvenirs vivaces et ma conscience alerte. C'était impossible. Mais alors, qui es-tu? Malgré mes efforts, je restais là, perplexe, emmuré dans un mutisme boudeur. J'envisageais quelques hypothèses, mais elles furent toutes rejetées avant même d'avoir été exprimées dans un jeu de ping-pong télépathique avec la voix qui patientait. Ma mère arriva et la vie reprit sa nuit. Les sons redevinrent des fréquences élastiques alors que nous quittions ce lieu étrange. La question, quant à elle, demeura sans réponse.